Le trail du Gypaète, au cœur du Faucigny en Haute-Savoie, a atteint la barre des 600 coureurs. Un bel exploit pour la 5e édition. Un organisateur bien heureux, avec la météo qu'on a eue aujourd'hui et puis avec le nombre de concurrents qui ont répondu présents, c'est parfait. Trois formats de course, le 74 km en solo et en relais, le 41 km et le 29 km en solo ou en binôme. Autour du trail du Gypaète, une grosse mobilisation des élus et des populations des communes traversées de la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne. Il y a 350 bénévoles qui se répartissent sur 10 communes différentes. On touche 3 intercos. 2 intercos s'impliquent énormément. Et puis on a également la commune du Grand Bornand qui nous met à disposition tout ce qui est moyen technique et l'aire de départ. C'est beau. Ouais, c'est superbe, on a des beaux points de vue, on a des montées de 1000, des descentes de 1000, enfin c'est ce qui nous fait rêver toute l'année, nous, tu sais, on a des montées de 100 maximum, et là, on a des beaux espaces, ouais, c'était super.